Bonjour Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédon lundi. Votre chef à la maison qui rentre la canne, bon, dis-nous non. Jodia m'a préparé pour nous un petit souper des amoureux, ok? Gampil là nous-mêmes qui t'a demandé pour me faire un petit pigeon pour nous, ok? Mais petit pigeon là, moi qui t'en lave. Lorsque je dis laver, ce n'est pas pile citron, pile zon ici là. Mais mettez de l'eau en bâtiment, moi laver. Qu'on a là, je vais couper en deux, ok? Ça m'a fait, je vais faire une grillade avec pour nous. Pour me faire grillade, moi j'ai un bon couteau, je vais aller mettre dans l'estomac là. Et puis moi diviser l'en deux. Et voilà. On a divisé l'en deux, qu'on a petit ça, que nous a retiré petit coua. On va utiliser petit coup ça pour me faire sauce avec. Là nous pas voir qui j'aime pas faire sauce avec, OK? Qu'on a moi laisser assaisonner. Assaisonner ça veut dire m'a peine prendre du sel, de côté, moi mettons l'autre petit sel de l'autre côté et puis mettez poivre. Moi-même, juste utiliser sel poivre parce que moi, je vais faire une bonne sauce au champagne pour nous. Donc, je vais besoin de mettre un pile de bagaille pour enlever, relever le paille. Ok? On a la moitié à l'assaisonner des deux côtés. Ok? Une fois que moi, bien assaisonné un petit pigeon les deux côtés entre sel et poivre, qu'on a la moitié faire l'huile moins bien chaud, qu'on a la moitié pour saisir les deux côtés pour mal faire cuire en bas four. Ok? Maintenant, premier côté, moi mettre là, moi pour colorer du côté gras. Ça veut dire poids. Moi pas mettre un peu l'huile pour le fruit là. Saisir. Ok. Une fois que vous regardez où est, vous faites le soulever comme ça pour garder pour essayer de colorer, où est le coloré, et pour venir créer tunnel. Et puis, tourner. Vous n'avez pas besoin de faire un peu de minute de ce côté là, non? On est simplement faire 30 secondes, comme ça. On est déposé dans un bol, dans un plateau, et puis on va le mettre dans le bas four 350. On va le fin cuit là, on va retirer le pour nous. Ok? On a là, on va commencer à faire cette sauce là. Ok? On a là, on va finir souhait, on va finir saisir la viande là, on va mettre dans le bas four. On a là, ok, qu'on a conservé des petits os qui étaient dans le coup pigeon. Moi, je prends lui. Je ne vais pas aller faire seulement ceux dans ça. Ok? Une fois que nous voyons genou, nous avons des petits os pigeon, des petits os couillots. Des petits os couillots, si c'était une, j'ai ça d'abord avec des fins points couleurs. Qu'on a là, moi, souhait échalote là. Normalement, devoir faire sauce, on suppose qu'il y a une échalote. Pas oublier de dire nous, c'est une sauce. Au champagne m'a fait hein? Une fois que tes os pigeons bien colorés ensemble avec échalote moi qui bien souhait qu'on a là moi mettez demi tasse de champagne même si pas une bulle là dedans moi même pas brasser pour me jeter champagne moi m'acheter champagne moi bien cher pas cap jeter ok. On a là, on va quitter le réduit avec ça. Moi, juste mettez du, moi juste mettez persil bouillie là-dedans. Moi, pas mettez thym parce que j'ai pas besoin de chercher goût de thym parce que champagne là très fort, il est très bon aussi là. C'est un bon champagne. On a là, on quitter ça réduit à moitié et puis m'a continuer procédure sur cela. On a là, les fins réduit comme ça. On a là, ça me fait, on a, on va mettre un petit tomate là-dedans. Si tomate ça m'a mettre là-dedans, c'est parce que je suis souper des amours et m'a fait. Moi, je suis rose, ok? Une fois que qu'on a là, ouais, ça, c'était petit zo pigeon qui était là-dedans. Si je mettais juste de l'eau là-dedans, là, qu'on a là, petit zo pigeon, on va venir dans mon bouillon de pigeon. Ok? Qu'on a là, moi, ça me fait, moi, je mettais un tasse et demi d'eau là-dedans, là, ok? Qu'on en a ma quitté le réduit et puis moi le fin faire reste procédure sauce là pour nous. Ok, après on 10 minutes de bouillon qu'on a là on va le retirer thym, on va retirer persil là dedans. Pour qui ça me retire persil parce que persil et l'os. Alors dit après on 10 minutes de bouillon moi qui t'en joigne tout ça m'a cherché tout goût yo qui t'en là moi retire zoyo tout. Une fois que moi fini nettoyer, moi tirer zo, moi tirer tout ça, moi tirer haut qu'on a là moi fermer foie.
qu'on a là, moi, pour le déposer, jus, dans un petit bol ça, qu'on a pour le passer dans la girafe, ok? On a pour le craser pour me faire une petit couleur rose, besoin. Si on a une girafe là, qu'on a, si on a une girafe là, qu'on a ou même, ça va faire, ou qu'on a mis dans un blender, ok? C'est plus simple que ça. Une fois que moi fin faire li, moi craser là-dedans qu'on a la moi déposer sauce là dans poêle là. Qu'on a une fois que li sauce là dans poêle là, qu'on a la moi mettre un cuillère de roux là-dedans. On yo le ça bain mari, beurre mani. Elle dit c'est beurre avec de la farine, OK? Qu'on a moi faire li, mettre un cuillère qu'on a moi l'épicer mais li mettre fait en balle là, OK? On mette un lot demi cuillère encore. Qu'on a la map qui te le réduit. D'accord? Une fois que moi j'ai une belle émulsion devant moi là, qu'on a la moi goûte. On a goûté là pour moi qui ça le manque. Ok? La seule chose moi qu'on est, bouillon, on pas rien que t'es sel là-dedans là. Champagne là, pas oublier, il pas gagne sel. Qu'on a la moi même moi fin faire une émulsion. Moi pour le fin préparer net avant que m'ajuste les goûts. Ok? Moi mette yon cadet. Les 35% qu'on a là, on va mettre un petit de l'eau dans ça pour me déposer là-dedans. On va mettre un petit poivre et moi mettre un petit sel. Pas beaucoup là. Et voilà. Waouh. Waouh. C'est mental. C'est vraiment bon. OK? La sauce est vraiment bonne. Ma sauce là est excellente. À cause du champagne là, c'est léger, c'est comme mousseux dans la bouche là, c'est comme quelque chose d'agréable. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon, bon là. OK? OK. Mais des moitié pigeon qui paraît devant nous là qu'on a faire montage deux assiettes pour nous. OK? Ça dit en cuite là 350 25 minutes. C'était excellent. OK? Qu'on a va monter à 7 euros. Pour me commencer à monter, pour me faire à 7 là, qu'on a une série de bagailles, c'est les m'a venir avec ou après. Parce que moi, le but, c'était mon tour faire sauce là et viande là. C'était tout. Je fais une sauce au champagne et puis je fais montrer nous comment pour nous cuire un petit pigeon. Qu'on a pendant que je monter à 7 euros, une série de bagailles, m'a dit nous. OK? Ça, c'est un yam que moi-même, moi, t'ai fait. Un yam gratiné. Moi, je vais le publier pour nous. Après, quand nous finissons de vidéo recette ça, tout de suite, après, je vais mettre gratin yamna devant nous. Mais je vais faire un si je vais manger. Je vais présenter à cette là, je vais mettre ti yam là, yam gratiné. Ça, c'est ce que je vais mettre en valeur. Moi-même, je vais mettre un petit huile d'olive de dessus. Je vais mettre un yam encore, si vous voulez, je vais mettre un petit sel, un petit poivre, ça, c'est si vous voulez. Mais moi-même, tellement sauce la bonne, je ne vais pas vouloir. Moi tout dit mon nom, manger avec sauce là. Mais pas bouger le trop. Et puis avec yon petit brocoli rapini. Ok? Qu'on a mouette seulement. Qu'on a la moins cassé. Ok? Ou bien doit mettre l'entier, même la moitié au complet, même cassé pour me présenter le mieux. Déposer ça là. Et voilà. Waouh! Une sauce là, hein? Une sauce au champagne. Ça c'est premier assiette là, OK? Pour me faire deuxième assiette là, moi utiliser un autre produit que nous gagne la caillou. Moi pour utiliser un petit pitimi, OK? Moi faire petit pitimi en petit jean pâte. Ça, c'est le deuxième assiette là. Waouh! 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 Wow. OK? Qu'on a là, pour Saint-Valentin, ou bien deux belles assiettes comme ça à donner, ça c'est yon, avec yon gratin de yam jaune. Ça, c'est l'autre là, lui-même, avec yon petit mi.
Donc, tout ça que là, vous avez présenté dans la cuisine, dans le restaurant haïtien, ok? Ça, c'était une présentation, souper des amoureux, c'était JFL Cuisine Créole. J'en fais donner dit votre chef à la maison qui est rentré dans la caillou. Pas oublier, abonner et mettre un petit like pour moi. Merci, au revoir.